Bonjour, bonsoir à vous tous qui suivez l'actualité de notre pays sur cette chaîne Le Congo est à nous. Vous êtes les bienvenus, vous êtes nombreux à travers le monde à suivre ce qui se passe minute après minute. Hier, c'était une journée très agitée, très mouvementée à l'Assemblée nationale. Les Congolais ont donné une grande leçon de démocratie au monde entier parce que nous avons vu les élections se passer dans la vraie transparence. C'était hier à l'Assemblée nationale. Les gens ont voté, 480 personnes. Il n'y a pas eu tricherie. Tout s'est passé correctement. Mabunda est tombé. Kabila est tombé. Mwilanya est tombé. Obeminaku est tombé. Lambert Mende est tombé. Bouchab est tombé. Matata Ponyo est tombé. Mova est tombé. Emmanuel Chadari est tombé. Jeannette Kabila est tombée. Tous ces gens-là que vous connaissez, qui hier faisaient la gloire du régime Kabila, aujourd'hui, ils se cachent. Aujourd'hui, leur sort est scellé. Ils ont perdu leur force. L'Assemblée nationale était la force de la Kabylie. Ils étaient protégés là-bas, ils avaient des immunités, personne ne pouvait être interpellé. Aujourd'hui, avec la chute de Jeannine Mabunda, c'est la chute de Kabila. Et c'est l'exil de Kabila. Ça, c'est ce que le vieux Herman Cohen, un ancien diplomate américain, il a laissé entendre à ses proches que ce qui vient de se passer au Congo, Kabila a deux choix. Il fuit avant, il va en exil dans un pays donné, ou il reste là, il provoque le chaos, on l'arrête, il sera prisonnier toute sa vie. La situation est grave. Félix Tshisekedi aujourd'hui, depuis hier, a décidé, aucun officier supérieur ne peut aller d'une province à une autre sans son autorisation. Ces militaires que vous entendez qui voulaient créer la guerre avec Kabila, tout ce qui c'est ce qui a réuni tous les commandants des régiments de la troisième zone de défense, première, deuxième et troisième zone de défense à Kinshasa. Je ne sais pas si j'ai encore les images. Ça veut dire que tous ces gens-là sont, ils sont avertis. Tous les militaires sont avertis. Celui qui va commettre l'erreur, des opérations, une cinquantaine au total, ont adressé
adresser un message de soutien total au chef de l'État. Des zones opérationnelles dans l'est du pays ont été encadrées par le chef d'état-major général des FRDC, le général d'armée Célestin Balamou-Sensé, assisté de ses adjoints et de l'inspecteur général des FRDC, le général Koumba Tangofo. Donc, vous comprenez déjà comment les choses se passent quand Herman Cohen vous dit que cette majorité qui vient de faire tomber Jeannine Mabunde était la force que Kabila avait dans le pays. Et désormais, Kabila est déboulonné. Il n'a plus la force. Il a deux choix. Soit il va en exil, c'est-à-dire il s'échappe, il est parti. Soit il tente son aventure de déstabiliser le pays et il sera neutralisé, il fera la vie, la prison pour toute sa vie. C'est le même Herman Cohen, l'année passée, qui avait dit à notre compatriote Marius Munga, lors d'une interview, il lui a dit que dans une année, vous n'entendrez plus parler de Kabila. Le même message au département d'État, Tibor Nagy avait dit ça. Donc c'était déjà un plan mis en place pour mettre tous ces gens-là hors circuit. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le pays. 18 ans après, pas d'évolution, pas de changement. Le pays est bradé. La Gécamine est détruite au détriment des entreprises chinoises, des entreprises des individus, des particuliers, des privés. Les minéraux du Congo bradés à travers leur circuit des amis, les Gettler et les autres. Les Américains ont dit non, ça, c'est un système de prédation, ça c'est très dangereux. Si on laisse le Congo comme ça, ça va devenir un pays hors la loi, un pays où c'est le plus fort qui impose sa loi. Il faut que nous puissions aider
puissions accompagner ce peuple à retrouver la démocratie, à installer la démocratie dans le pays. C'est ce que Dieu a fait. Sans faire retentir une seule balle. Tout est entre ses mains maintenant. Tu sais que Dieu nous a dit le 13, si j'ai bonne mémoire, est-ce que c'est... Oui, c'était le 13 décembre de l'année passée, 2019. Il avait dit, l'année 2020 sera une année des actions. Ou bien je crois c'est son message à la nation. Oui, je pense. Il avait annoncé que l'année 2020, ça sera une année des actions. Écoutez. Au cours de l'année 2020, Benoît Luamba a démissionné. Un grand coup, n'est-ce pas? Benoît Luamba était un élément essentiel dans la stratégie du FCC. Quand Benoît Luamba est parti, il fallait réécrire le scénario. C'était déjà trop tard. Benoît Luamba avait donné beaucoup de détails à Félix. Et Félix, je sais qu'il ne pouvait pas dormir sans travailler sur ce que Benoît Luamba lui avait donné comme conseil. L'année 2020, le ministre de la Justice, Tunda Yakasende, a démissionné. L'année 2020, nomination des juges de la Cour constitutionnelle. Nomination dans la magistrature et dans l'armée. 2020. L'année 2020, consultation. Pour l'Union sacrée. Ça aboutit à une nouvelle majorité. L'année 2020. Tu sais qu'elle dit, a divorcé avec les FCC. L'année 2020. L'Assemblée nationale vient de tomber. D'ici le samedi, le Sénat tombe aussi. L'année 2020, les gens avaient demandé où sont les actions. Voilà les actions. C'est terminé. Maintenant, il peut entrer en 2021 libre. Il va maintenant servir son peuple. Il va faire en sorte que le pays puisse aller de l'avant. C'est ça, quand on dit faut vraiment connaître la politique, tu sais qu'il dit a appris à Mouilagne la politique, à Bouchab la politique, à Loumanou, à Mova, tous ces gens-là. Il leur a appris la politique. Parce que maintenant, ils ont rougi, ils étaient dans la salle. Sont restés. J'ai vu Moulagne. Il y a une photo là, j'étais en train de chercher, je n'ai pas encore retrouvé ça. Moulagne est resté en train de regarder comme ça. Derrière lui, il y avait Mova. Il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Tous les crimes.
Tous les crimes de ces gens, ils doivent payer. Ah, voilà. C'est l'image que je cherchais. Donc, quand la situation est devenue grave à l'Assemblée nationale, regardez. Vous avez vu ces gens-là? Ces criminels du FCC, l'homme orchestre qui a induit Kabila en erreur. Aujourd'hui, Kabila est devenu prisonnier. Kabila ne peut pas bouger. Regardez. Mulanya est devant, Mova Sakani est derrière lui. Ils sont dépassés. Vous voyez ce visage-là? Ils sont pensifs, hein? Très pensifs. Ils n'en reviennent pas. Et qui dirigeait cette Assemblée nationale, qui faisait ce qu'ils veulent, qui donnait des mots d'ordre la nuit aux députés, allez faire telle chose, allez faire telle chose. Aujourd'hui, ils viennent, ils sont assis comme des garçons, des petits garçons. Je vois Daniel Safou devant en train de faire la loi. Hein? Ils avaient dit hier qu'ils vont boycotter. Pourquoi ils sont venus? Ils avaient dit qu'ils n'allaient pas participer à la plénière. Pourquoi ils étaient venus? Ils sont allés intimider certains députés. Ils ont eu quand même hein, 200 députés qui ont voté pour Mabounde. C'est considérable. Ils ont intimidé quelques députés. Ils leur ont dit, voilà. L'argent est là et tout ça. Alors, quand ils sont venus, ils étaient sûrs qu'ils allaient avoir 255 ou 260 voix. La surprise était générale. Vous avez vu vous-même que Mabunda est tombé. Donc, c'est la faute de Mulanya, Obeminaku, Shadari, ces extrémistes. Mabunda et Tambo Mwamba. C'est le groupe-là qui a amené aujourd'hui le FCC à la disparition totale. Ces gens-là, maintenant là, on signale beaucoup de mouvements dans la ville. On se retrouve dans la deuxième partie. Avec Dieu, nous vaincrons.